formation, parce que vous, ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que il y a des déchets nucléaires, il y a des trains, des camions, des bateaux et toutes sortes de peut-être pas des avions, mais il y a des trains surtout qui transportent des déchets nucléaires, parce qu'il faut bien les mettre quelque part, il faut bien les recycler, tout ça. Alors, voici une chanson qui s'appelle « Locomotive radioactive ». Attention, vous allez entendre devant le train. Attention le train. Imaginez en pleine nuit, sans avertir personne, il y a des trains de déchets nucléaires qui passent, des fois sous vos fenêtres, dans vos gares, sans avertir les voyageurs. Alors attention, écoutez bien le train qui passe. Je suis la locomotive, je passe avec discrétion parmi la population et directive. Je fais ma tournée des centrales de France. Je ne suis pas protégé contre toutes les engences. Le grand combustible nous ramène aux retraités. Nous l'allons diriger par mon machiniste sacrifié. On est devant EDF, on ne peut pas aller plus loin. Il y a un cordon de CRS qui nous bloque l'entrée. On l'a fait. Je suis la locomotive, je tire un seul wagon, chargé avec précaution de substances radioactives. Je suis la locomotive, je passe avec discrétion parmi les populations et directives. Sans le fou, voulu monter sur mon train à cocher pour vraiment le contrôler. Son compteur j'ai appelé, le rôle plus mal à l'été. Sous un arrêt confisqué, destruction administrative en purée. Comment la pression de mon gamin, est-ce une blague qui vous arrête pas? Ce gamin finit toujours par céder. Tirons nos dangereux wagons, chargés avec précaution de substances radioactives. Nous sommes les locomotives, nous passons avec discrétion parmi les populations suivant les directives. Laisse comme ça, c'est très bien. Nous sommes les locomotives, nous passons avec discrétion parmi les populations suivant les directives. Nous sommes les locomotives, nous passons avec discrétion parmi les populations suivant. Nous voilà.
nous voilà avec notre train, nos deux chaînes radioactives. Oh,